Des scènes, des extraits, des films, les plus grandes exclusivités, parfois en sortie nationale, de 1930 jusqu'à nos jours, avec des distributions éblouissantes dont vous avez les noms sur le programme. Et devant vous ce soir, j'ai l'honneur de déclarer ouvert le 21e Festival de cinéma international de la Cité. Parce qu'il le fait. Et comment te débrouilleras-tu financièrement? Je sais pas, je vais peut-être vivre chez mes parents pendant un moment. J'ai toujours su que tu me quitteras un jour. Mais faut-il que ce soit tout de suite? Ce sera peut-être temporaire, mais il faut que je sais. Lee, tu es tout pour moi. On sent quelqu'un t'a embrassé ce soir. Non. Mais si, bien sûr. Non. Tu étais avec un autre homme. Cesse de m'accuser. C'est ça, t'as rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Qui est-ce? Peu importe, il faut que je m'en aille. Mais tu es mon seul lien avec le monde. Mon Dieu, c'est trop de responsabilité. Tu n'es pas juste avec moi, Frédéric. J'aimerais avoir un mari et des enfants avant qu'il soit trop tard. Quel gâchis, mon Dieu. Ah, je t'en prie, pas d'air consolateur, pas de sollicitude, merde! J'aurais dû t'épouser il y a des années quand tu étais d'accord, j'aurais dû accepter. Je sais très bien que ça n'aurait jamais marché. Je t'avais dit que tu me quitterais un jour, pour un garçon plus jeune. Quelque chose de te parler? J'en sais rien. Est-ce que je dois m'inquiéter?
as déjà 4. Je ne veux rien avec toi. Mais on va attendre que ça vise. On est mariés depuis 4 ans, qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu as des projets très, très pressés pour ce que tu as. Un foyer, des enfants, des bonnes écoles, une maison dans les petits cuts. Tout ça, c'est organisé, non? Quand on s'est rencontrés, ta vie, c'était un véritable chaos. Je croyais qu'elle était en stabilité, non? Oui, mais d'avoir un juste milieu. Oh, et puis, je sais pas, on prend en parle de ça. T'es en colère après moi? Mais non! T'es déçu par notre cul? J'ai jamais dit ça. Oh, t'es tombé amoureux d'une autre femme. Enfin, ça t'inquiète pas, quoi? Est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que c'est que ça tombe à toi? Et si je te disais, oui, tu suis déçu et tout, j'en ai mis une autre. Alors, c'est ça? Mais non, mais tu n'arrêtes pas de poser des questions idiotes comme si tu voulais que je te dise oui. Mais jamais de la vie, ça me détruirait. Au nom du ciel, cesse de la torturer. Je veux que tu m'en finir et que tu aimes sa sœur. Allez, sois honnête. C'est toi la meilleure solution. Tu l'as pas fait exprès. T'as l'air malheureux. J'aimerais vraiment le partager. Tu sais à quel point je t'aime. Ah, je te mérite pas. C'est moi. Tu t'es mise avec elle, n'est-ce pas? Ne me mens pas. Je le sais. Tu es amoureux? Si vite? Tu te fais dire que je vais gommer tes conneries? Bien sûr que je m'y attendais, mais... pas si vite. C'est encore moi. Je sais qui c'est, Jacques. C'est Gail. Oui, je sais. Exactement ton type. Brune, aux yeux bleus, futile. Avec tous les attributs de ces connasses de Princeton.
J'ai un couteau dans le ventre. Mais c'est le mien. Évidemment, quand les idées sont dans l'air. Quelle est le seul part que vous avez ça? Un jeune. Avec un manteau. Un bon genre? Oui. À votre place, moi, je me débinerai. Mais c'est pas moi. J'arrive, j'étais pas là. Ça peut pas être moi. J'ai pas dit que c'était vous. Alors c'est qui? Mais j'en sais rien. J'ai pas fait tellement attention. Vous pourriez ouvrir les yeux dans le cas pareil. Bon, vous allez finir par me foutre la paix. Je meurs. Barrez-vous. Je peux pas vous laisser comme ça. Mais si, j'en ai vu d'autres. Oh, mais là, vous risquez de voir grand chose. C'est juste un mauvais moment à passer. Vous souffrez? Bizarrement, non. Mais je me sens pas dans mon assiette. Quel effet? Un peu comme un lavabo qui se vide. Tu vas faire ta gueule et tu vas...
honnête. Non, mais moi, j'en ai rien à prendre, les Mozart. Ce que j'aime, c'est le silence. Gervase de Brumaire, meilleur clarinettiste du haut. Alors, assieds-toi, ferme ta gueule. Puisque je vous dis que je veux dormir, tout simplement dormir, je suis fatiguée. Et je peux même pas dormir à cause de votre musique. J'en ai rien à foutre, moi, de Mozart. Je le connais pas, ce mec-là. Je l'emmerde. Ou alors, il me prête du pognon. Mais tu laisses Mozart tranquille, toi. Parce que c'est mon pote, ouais. Lui aussi, il en avait des dettes. Sur la fin de sa vie, il avait même pas de quoi s'acheter du bois pour chauffer le cul, ouais. Ouais, il composait quand même, lui. Ouais, il vendait pas des légumes, lui. Des légumes ? Thank you.
Comme ça? Le vent un peu plus loin encore. Non, franchement, je vais plus tôt. Non, mais ne me touche pas, je n'aime pas trop. C'est physique. Dis-moi ce que je dois faire. Ça doit être agréable pour Maurice, hein? C'est pas du tout pareil avec Maurice, ma petite. On sait comment ça finit, hein, les copains d'enfance. Ça commence par des billes et ça finit sous les draps. Allô. Bon, allez, tiens-toi prête. Une grosse tête pour finir. Tu vois, le problème, c'est que Maurice ne me comprend pas. C'est un homme, hein. Les hommes ne peuvent jamais me comprendre tout à fait. Ouais, mais tu sais, moi, je veux essayer, mais j'arrive pas, c'est lui que j'aime, quoi. Fais attention à l'autre jour, tu l'accroches avec ton nez. Terminé ? Ça ira. Ah, chouette ! Qu'est-ce que ça peut être casse-pied, les photographes ? Décidément, c'est un plaisir de te rendre service. Voilà, je te taquine. Je rigole qu'avec ceux que j'aime. Tu les développes quand ? Tout de suite ? Ça m'étonnerait. C'est qui ? Une seconde. Alors ? Tu vas devoir filer en vitesse. Un rasoir ? Un client. Un vieux dégoûtant qui vient de temps en temps faire photographier des filles. Et quelles filles? C'est du propre, hein? Ouais, mais tu sais, je le fais pas pour mon plaisir. Ce vieux-là, c'est brillant. Tu sais, le comptoir colonial, l'électrification du Sud-Ouest, Omega Films. Mais tu travailles pas? Tu vas pas avoir froid comme ça? Ah, pour un étage, penses-tu? Ah. Mes drogués.
une vieille vibration chaude à travers les trous. La nuit tombée, c'était l'heure des campagnes, les drogués. On a chahuté un moment avec les voyageurs de la nuit, on jouait à saute monton. Et après, cap à l'ouest. Ouais. Ce qu'il nous fallait à présent, c'était une petite visite surprise. Ça, c'est super, la grande fête avec le piment d'ultra-violence. Je ne veux pas de ce t-shirt, il est mouillé.
Oui, nous avons bureau de tabac ici. Je ne veux pas de ce bureau de tabac qui est mouillé. Cigarette. Oui, oui, cigarette, je te merde. Mon aéro glisseur est plein d'anguilles. Vous allumez ? Oui, oui, je te merde de plus. Tu viens voir un dernier verre, mon lapin ? Tu sais que tu as une belle pédale ? 5 euros pour les cigarettes et les allumettes. Si je te dis que tu as un col superbe, viendras-tu le flatter contre le mien ? Je ne suis plus infecté, tu sais. 5 euros, vous comprenez ? Mais, on se dit. Quoi? Zéret d'effet, flèche n'y connaît. Quoi? Zéret tech, d'effet, flèche n'y connaît. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a frappé! Oui, oh, je te mêle. Voyez-vous. Tu as de belles cuisses, tu sais. Je vois. Allez, Zou! Non. Je te mêle de plus. Oh, poste! Mon téton se dresse délicieusement! Si vous tenez tant que ça à avoir un petit fils, dans 6 ou 8 mois pas avant, vous demandez à votre gens d'en faire un autre. Il a eu déjà du mal cette fois. Il se fera aider par le voisin. Dépêche-toi, c'est l'heure des visites. Ah. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je n'arrive pas à me relever. Eh bien, restez couché. Ne vous énervez pas. Je suis une méchante femme. C'est ma sœur. Oh, pardon. Je suis méchante sœur. Non, c'est une malheureuse. Madame ? Oui. Je voudrais vous demander. Oui. Vous êtes bien la femme du docteur Borzet ? Oui, en effet. Il a un service à l'hôpital ? Pas vraiment, il dirige l'asile d'aliénés. Est-ce qu'il pourrait me faire changer de lit ? De lit ? Pourquoi ? C'est ce numéro-là qui porte malheur. Je sens que s'il reste ici, il m'arrivera quelque chose.
Map avec le docteur Germain. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que depuis quelques temps, on te voit un peu trop à l'hôpital et que dès que ton mari va rentrer, bah, je dirai. Mon mari trouve cela très bien. Je suis ta sœur et je trouve cela très mal. Enfin, tout de même, je suis infirmière. T'es une petite grue. Bonjour, docteur. C'est la deuxième fois en une semaine. Si vous n'avez pas confiance en moi, vous pouvez m'appeler bon, je suis pas. Vous inquiétez pas, je vous imposerai plus de dérangements. Allons, allons, toujours en train de vous chamailler. Non, mais c'est lui, il a fait n'importe. Ah, non, 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 ne me menez pas au bisbis, j'ai assez d'emploi que ma femme. Elle est toujours un peu très glacière. Elle, c'est un chameau. Enfin, heureusement qu'il me reste de la pipe, hein. Mmh. Et la boisson, bien entendu. Tenez, au lieu de vous disputer, j'ai un cas de gangrène tout à fait pittoresque. Le tibia est sorti de la jambe de plus de 10 cm. Ça a l'air d'une blague. Excusez-moi, j'ai pas très envie. Ah, bah tant pis pour vous, tonton. Bertrand profitera seul du spectacle. Ouais. Je vais lui construire le palais le plus magnifique du monde. D'accord.
Et c'est toi, Mirolis, qui en sera l'architecte. D'accord. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire... c'est moi qui vais architecter tout le... Je n'ai pas d'autres personnes. Non, c'est dame. Je ne suis pas occupée. Ah, il est pas occupé, lui. Hein. Tu es trop classique. Classique. Mais oui, j'ai besoin d'un œil neuf, d'un regard jeune sur le terrain. Eh mais tu vas trouver le terrain pour le numéro 10. Va, numéro 10. Tu as 3 mois. Trois mois, il faut avoir les plans, c'est bon, ça chez mon affaire. Les fondations de 3 mois. 4-9. Ça fera 3 mois. Ça ne sent pas très mal, madame. Chut, numéro 10, tu as 3 mois jour pour jour, top chronos. Si tu réussis, je te courirai. Mais si tu échoues, je te jetterai au crocodile. Effectivement, si tu veux me faire dire que tu étais naïf de croire que je n'étais pas capable du tout et du pire, je te l'accorde. Pourquoi? Quand j'ai vu que tu ne rentrais pas, j'ai cru naturellement que l'isabon que je ne sais pas qui t'avait tué. D'ailleurs, soit dit en passant, faire croire à une personne qu'on est morte alors qu'on n'est pas, ça, c'est de la pure cruauté. J'ai porté ton deuil pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois de lamentation, je suis parti sur tes traces. Mais ce n'est pas toi qui avais décidé de chercher. J'avais décidé de rechercher des fumées qui ont été certains d'avoir liquidé. C'est toi qui as trouvé. Et là, j'ai découvert non seulement que tu allais te marier avec un vrai connard, et en plus, enceinte. Je me suis emporté. Tu t'es emporté? C'est ça ton explication? Je n'ai jamais dit que j'allais m'expliquer. J'ai dit que j'allais te dire la vérité. Mais si je n'ai pas été assez clair, disons les choses telles qu'elles sont. Je suis un tueur, un meurtrier sans pitié. Et ça entraîne des conséquences de briser le cœur d'un meurtrier sans pitié. L'expérience que tu as faite, les réactions étaient si surprenantes. Et oui, tu vois, que tu sois capable de faire ça, je n'en ai jamais douté. Mais je n'aurais jamais cru qu'un jour, tu puisses me faire ça à moi. Je m'en vois désolé, mais tu avais tort. Je crois qu'il faut en finir maintenant. Oui, ma belle, je crois aussi. Thank you.
Et que nos pères nous ont abandonnés.
Qu'en déduis-tu à propos de Dieu? Je n'en sais rien. Écoute-moi, il faut que tu comprennes. Il faut que tu saches qu'il y a une forte probabilité pour que Dieu ne t'aime pas du tout. Il y en a une plus grande pour qu'il te déteste et qu'il ne t'ait jamais voulu. Mais on s'en fout. T'as pas besoin de lui. Oui, c'est vrai. On a rien à foutre de la rédemption, de sa future damnation. On est enfants de désirer Dieu. Et bien, très bien. J'ai compris, passe pas de l'eau. Écoute, tu peux mettre de l'eau, qui ne fera qu'empirer ta brûlure, ou tu peux mettre du vinaigre, et ça ira mieux. Mais il faut que tu comprennes. J'ai compris, ma chérie. Il faut que tu comprennes sans avoir peur. Que tu comprennes que tu mourras un jour. Mais tu sais pas ce que ça fait. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est de passer mourir. Félicitations. Très bien, c'est bon. C'est bien. Tu sors avec un mec et t'es obligé de l'épouser. T'as la crevette, toi, hein? Tu vas pas te coucher? Et toi, alors? Tu vas te lever demain, ça va encore être la corrida avec ton gars. Arrête. Puis... Bon, je suis crevée en plus. Juste, t'as quoi à l'œil? Quoi? Qu'est-ce que j'ai à l'œil? T'es toute jaune. Mais non. Si, je t'assure, t'es toute jaune. J'ai le blanc de l'œil tout blanc. Tu es bizarre. Tu as changé. Je t'observe depuis quelque temps. J'ai changé? Oui. En quoi j'ai changé? Tu ne souris plus beaucoup. Moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je sais pas, moi. Je souriais 10 fois plus que ça dans le temps. Et quand je dis dans le temps, c'était il y a un mois, deux mois. Tu t'ennuies, on dirait. Non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas, mais c'est toi qui te mets des idées dans la tête aussi. Non, non. Et puis, t'es-tu comme tu es? Non, il y a rien. Mais je t'assure, il y a rien. Ça fait un mois environ. Tu me l'as pas dit plus tôt alors? On ne se voit pas beaucoup. Ouais, d'accord, c'est pas une raison. C'est toi qui es toute triste. Non, je suis pas triste, je suis fatiguée. T'as vu comment tu bosses? Je crois que je vais vous quitter, Suzanne. Vous quitter? Mais tu vas aller où alors? Ça me regarde. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tu penses un peu? Oui, figure-toi que j'y pense, oui. Tu auras ton père et ton frère. Ça suffit pas, ça! Écoute, il y a un moment dans la vie où ça va plus. C'est peut-être arrivé. T'en as marre d'ici, c'est ça? Non, mais il y a des jours où il y en a marre. Un autre mec, c'est pour ça. Mais de toute façon, si on parle, c'est pour ça. Hein? Ça te ferait quelque chose? Ben carrément! Qu'est-ce que ça peut te faire? Ben, t'es quand même ma mère, hein? Oui, je suis ta mère. Je suis ta mère et c'est tout. D'accord. Mais tu vas partir avec un autre mec? Je t'ai rien dit. Ouais, d'accord, mais tu vas pas partir de la maison non plus. Tu vois, moi, ce soir, je t'imaginais avec ton Antoine, là. Ah bon? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? T'es pas vraiment belle imagination? Mais si, Ton Antoine, là. T'en as pas marre, parfois? Bah non, enfin, je fais pas avec lui, sans le voir. Ah, parce que t'es avec lui? Non, je suis pas avec lui, enfin, je peux pas aller au cinéma avec lui, quoi. Tu trouves pas ça bizarre que les parents et les enfants, ils veulent jamais parler de ça? De quoi, ça? On n'a plus qu'une. Elle est partie quand l'autre? Je sais pas. T'en avais deux des fausses d'avant. Elle est partie où l'autre? Hein? Je sais pas, elle aussi, hein, on avait marre, elle est partie, c'est tout. Tu vois, on vit avec quelqu'un tous les jours et je m'en étais même pas.
qu'on a bien parlé toutes les deux. Merci.